Bonsoir à tous les amis, bienvenue, bienvenue. Juste si vous pouvez me dire si la qualité vidéo elle est bonne, s'il vous plaît. Parce que j'ai un petit problème de débit. Savoir si je relance ou si c'est bon. C'est pas net? Tu peux pas lire. Bon alors attends, on va essayer de mettre plus plus mieux bien. Putain, pourquoi ça rame le débit, sérieux? C'est pas ce qu'on a. Bon, je vais essayer de relancer. Là, j'ai relancé avec plus de débit, ça va mieux ou pas? Bon, après, c'est sûr que si tu regardes en plein écran, ça va pas aller mieux. Ah, pourtant, je suis en full HD, il y a tout. Qui c'est qui sait comment on fait un zoom écran sur Windows? Comme ça, au pire, je ferai un zoom. Ah, ça va? Bon, on va rester comme ça. Vous me direz si vraiment c'est pourri, on verra après. Hop, bon, bah, c'est cool, on est déjà 16, c'est très bien. Un petit café au passage et on est parti. Hein. CTRL plus, t'es sûr ça marche? Ça marche pas. Ça m'y a mis dans l'ordre, mais ça. Ça zoome pas. Ah ouais, non, ça c'était très con, c'est pas ça ce que je veux faire. Bah non, ça zoome pas, ça me fait. Bah, y a pas un endroit zoom là-dedans, affichage. Attends, on va mettre en contenu déjà, on verra plus gros. Option handicapée, y a pas. Ah mais là c'est bon, ça va être grand. De toute façon, je vais vous dire, hein, y a pas de. C'est surtout pour voir le truc en gros. Petit truc déjà, je vous ai pas mis le lien. Alors attendez, je vous balance le lien dans la vidéo en même temps. Tant qu'à faire. Hein, n'est-ce pas? Alors. Très bien. Hop. Télé. Chargé. Alors, le patch, où est-ce qu'il est? Bah t'es gentil toi, reviens, merci. Hop, allez, fâché. Il doit être par la fonction TP. Copier le tableau de bord et coller. Alors, tac. Oui, bah justement, j'aurais l'option loop, mais je sais pas comment on l'active. Je m'en suis jamais servi. J'ai pas encore besoin de loop, donc. Hop. Alors, les amis, déjà, le lien que je vous ai mis, là, cher mod, c'est la fonction TP V2 que j'ai fait. Donc, dans cette fonction TP, pour l'instant, il n'y a que la terre. Je n'ai pas fait le gravier, le sable, tout ça. Je vais y faire
Après, je ferai une petite mise à jour et puis je vous le redonnerai. Vous aurez juste à rajouter. Ce sera exactement la même manip. Mais déjà, avec de la terre, je pense que vous pouvez vous faire pas mal de choses. Si la musique est trop forte, vous n'hésitez pas à me le dire, je la vire. Hein. Lien de map. C'est pas un lien de map, c'est un lien de... de patch pour mettre ta map à la OTP. Là, je suis sur Windows 10. Donc, ce qu'on va se faire, on va se prendre une map et je vais vous intégrer la fonction TP dessus. Et puis, je vais vous montrer ça à chaque fois. Et si vous avez des maps à faire, vous me le dites si je les ai et on les fait ensemble. Comme ça, vous voyez. Déjà, je vais me choper une map que j'ai dans mon PC. Toc. Map. Voilà, je vais prendre celle-là. Ça, c'est mon stock de map à 3 tonnes. Et ensuite, on va aller. Alors, où c'est qu'il est ? Fonction TP. Atelier. Voilà. Donc, vous créez un répertoire atelier pour dire que vous travaillez dedans. Vous copiez votre map dedans. Que vous voulez mettre la fonction TP dessus. Bah, la texture TP surtout. Toi t'en as une affaire, mais tu peux pas, elle est déjà faite, faut la modifier. Il est con. Après, il faut pas que vous ayez essayé de mettre déjà la fonction TP, sinon ça marchera pas, hein. Ça va faire un conflit, ça marchera pas, comme Gaëtan, n'est-ce pas? Il faut renlever votre fonction TP et remettre celle que je vous donne là. Si vous avez déjà fait un... essayer de bidouiller pour mettre du TP dessus, ça marchera pas, il vous faut une map où il n'y a pas du tout de texture TP. Hop, tant qu'il y a les copies. Tac, voilà. Donc là, j'ai pris la map la jeune souche. Donc elle a pas du tout de TP de base. Hein. On va aller voir dans les textures terrain. Ouais, là, il y a les textures terrain de base toutes simples. Dégage. Il y a l'herbe, il y a tout, mais il n'y a pas. Il n'y a rien du tout d'autre. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre le petit patch que j'ai fait. Donc vous allez télécharger le lien que je vous ai mis en dessus, là le share mode, où vous devez l'avoir dans le lien de la vidéo maintenant. Vous allez télécharger, vous aurez la fonction TP intégrée V2 en fichier zip. Vous la dézippez dans un coin, ça va vous faire un répertoire, vous l'ouvrez. Et dedans vous avez tout ça. Vous avez un petit fichier d'aide en XML, donc dedans j'explique comment faire. Vous avez le map01.xml qu'il faudra qu'on corrige celui de la map d'origine et le modedesk.xml qu'il faudra qu'on corrige celui d'origine. Et vous avez deux répertoires, le répertoire map et le répertoire script. Il vous faudra tout ça. Donc déjà, on va faire un truc très simple. On clique sur les deux répertoires. Vous faites copier. Vous allez dans votre map. Je suis trop loin. Donc moi je l'ai mis dans l'atelier, ma map la jeune souche. Une fois que vous l'avez dézippé, donc vous allez avoir le fichier comme ça, vous rentrez dedans, il faut qu'il soit dézippé hein, forcément. Et là, on est dans la, ce que j'appelle la racine de la map. Donc c'est-à-dire qu'ici vous aurez votre mode desk, le script et le répertoire map. Dans toutes les maps, ce sera une arborescence comme ça. C'est pas possible que le mode desk il soit ailleurs, je crois. Non, parce qu'il lance celui-là. Il est obligatoirement dans la racine, donc vous... Ici, vous avez le répertoire map, donc vous faites clic droit et vous collez tout ici. Voilà, donc là, il m'a rajouté mon script et il m'a rajouté ce que je veux dans map. Si ça vous a recréé un autre script avec une majuscule ou une... Ben non, si ça vous a recréé un autre script en plus de celui que vous avez parce qu'il y a une majuscule sur un et une minuscule sur l'autre, vous en foutez, vous laissez, vous touchez pas. C'est pas plus compliqué. Démarrer, option d'ergonomie, loop. Ouais, mais si vous voyez comme ça, on va faire comme ça. De toute façon, je le dis en même temps. On va le refaire plein de fois. Si vous avez un doute, vous me redemandez. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai copié les deux répertoires où il y a absolument tout dedans sur la map. Donc ça, déjà, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on lui dise d'aller chercher les fichiers que j'ai copiés et de les faire marcher dans la map. Donc, pour faire ça, on va ouvrir... On va ouvrir d'abord les fichiers de la fonction TP. Vous allez dans le patch, vous allez sur, on va faire le mode desk en premier, le mode desk, vous faites clic droit, ouvrir avec, non, même pas,
Je n'ai pas la notepad. Vous faites tout clic droit et vous faites éditer with notepad plus plus. Ouvrez absolument avec ça, hein. Notepad plus plus. Faites pas avec Word ou notepad, notebloc là, bloc-note. Ouvrez avec notepad plus plus. Si vous l'avez pas, vous l'avez sur mon site, le lien pour le télécharger gratuitement. Vous cliquez dessus. On arrive là. Pas zoom encore, voilà, ça va le faire, le zoom. Ah bah là vous voyez bien comme ça au moins, on est tranquille. ma souris est là. Du coup on a toutes ces lignes. J'ai tout marqué, c'est pas compliqué. Dans le fichier moddesk.xml de votre map, copiez ces lignes où il y en a déjà sur votre moddesk.xml. Et si c'est une map vierge, il faudra juste que vous rajoutiez les extra files, vous voyez. Extra files qui sont en violet. Hop. Donc, ça on s'en fout. Ça c'est le moddesk.xml de mon patch. Ensuite, on va aller chercher celui de la map. Donc, dans mon répertoire atelier, la jeune souche. Donc là, j'ai mon moddesk de la map. Vous l'ouvrez avec Notepad. Voilà. Et là, forcément, ben, il y a 3 milliards de trucs. Voilà, elle est pas trop grosse, donc ça va, il n'y a pas 3 tonnes de trucs. Donc là, j'ai mes deux trucs, celui de du patch et celui de la map. Dans celui du patch, on va aller chercher notre ligne source, c'est celle-là, source fill. Donc c'est ça ce que j'ai dit, si vous avez déjà sur votre map qu'il y en a déjà, vous prenez celui-là. Et si votre map, il n'y a rien du tout, il faut rajouter extra source fill. Donc vous prenez tout le truc que je vous ai mis. Sinon, vous prenez la première. Vous faites copier, vous allez dans votre mode desk. Donc là on les a déjà, vous voyez. Quand vous cliquez sur le premier, en fait ça vous le met en la fin aussi, en violet. Et vous le rajoutez avant la fin, avant le violet. Donc là on se met au bout, on fait entrer, et vous collez ici. Je vais afficher avec mon disque dur plein. Attendez, je vous virerai le truc Game Planet aussi. Hop là. Voilà, donc là j'ai rajouté déjà l'additional map type, celui qui gère les trucs additionnels, les textures additionnelles. Donc ça c'est fait. Ensuite, il nous faut justement lui dire le fill type du soil. Donc là, vous prenez tout ce qu'il y a ici, absolument tout, faites copier, vous retournez dans votre mode desk de votre map. C'est là qu'il ne faut pas vous embrouiller les pinceaux en fait. Vous allez tout à la fin, moi je le mets avant le dernier. Hop, et vous y collez là. Voilà, avant le dernier mode desk, ça c'est la fin du mode desk, donc vous y mettez bien avant. Après, peu importe où vous le mettez, je le mets à la fin pour le retrouver. Voilà, donc on a déjà fait pour le mode desk, c'est fini. Donc vous enregistrez et vous refermez les deux. Pas compliqué pour l'instant. À 8888 membres de tous les modes. Voilà. Salut Skiro. Je sais pas si j'ai dit bonjour à tous, hein. Bonjour Benjamin, bonjour Marco, bonjour Filmxus, bonjour Yon3147, Paul Moreau, Max Gamer, Mooding Gaming Gaming, Steve Borin, Thibaut Raciné, salut à tous, salut à tous. 49000 euros pour lui et 400 pour moi, c'est n'importe quoi, ils veulent tous des abos. Alors, donc, nous en étions. Hop, le mode desk c'est fait. Ensuite, on va s'occuper. On retourne dans notre patch fonction TP du map01.xml. Hop, donc pareil, vous cliquez dessus, suit du patch, clic droit, ouvrir avec Notepad. La plupart du temps, il s'appelle map01.xml. Sinon, on va voir comment il s'appelle. On va ouvrir celui de la map. Je vous explique. Merde, je suis allé trop loin. Donc on retourne dans l'atelier. La map pour moi c'est la jeune souche. Il se trouvera je pense tout le temps. Sauf si le mec l'a mis ailleurs, qu'il a caché ou qu'il a fait le malin. Mais la plupart du temps il est dans map. Donc ici vous avez le map01.i3D. Donc ça c'est le fichier Giant de la map, si vous ouvrez pour la modifier. L'autre s'appellera
pratiquement obligatoirement tout le temps pareil. Sauf qu'il finira par XML. Donc c'est map01.xml. Vous voyez, c'est lui. Donc on ouvre celui-là. Tac. Voilà. Donc là, on a bien nos deux XML. Celui de mon patch, celui de la map. Et ben, on est bête, on copie les lignes que je vous ai mis là. Donc pareil, il y a deux modes. Copier ces lignes, oui, il y en a déjà, c'est pas compliqué. Et où copier tout ça si c'est une sample map vierge de tout. Si vous avez rien du tout, vous recopiez avec les additional fields pour les rajouter sur l'autre. Mais comme nous, il y en a déjà, on prend juste les lignes qui vont au milieu. Donc vous copiez les lignes qui vont entre l'additional field. Et on fait pareil que tout à l'heure. On saute une ligne, on y colle. Super, c'est pas ça. C'était ce que j'avais copié avant. Copier. Hop. On y colle. Voilà. Là, ça m'y a bien rajouté. Alors, qu'est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés? Salut Manto Tac 53, bienvenue, bienvenue. Salut Monsieur Scania, bienvenue. Je vous avais dit de prendre Notepad++ parce qu'en fait, Notepad, il vous marque les trucs bien en fait. En bleu et rouge, vous voyez exactement les trucs. Et quand vous êtes dessus, vous voyez le début et la fin à chaque fois de la ligne qui utilise en fait. Donc là, le début, il est là, la fin, il est là. Ça vous permet que si vous faites une erreur, par exemple, en faisant du copier-coller, vous supprimez ça. Et bah là, il y a syntaxe erreur, vous voyez. Quand je clique là, il me met le plan violet parce que j'ai enlevé le slash. Que Notepad++, ben, il vous met les erreurs. Ben, il vous dit les erreurs, donc ça c'est cool. Donc utilisez bien ça. Voili voilou. Donc on a corrigé notre XML, ça c'est fait. Récapitulons dans notre fonction TP. Les deux répertoires, je les ai copiés. Donc on a tout fait, on est tout bon, on a pratiquement fini. Maintenant on se lance la map. Donc vous cliquez sur le map i3D. Hein. Elle va se lancer. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller lui rajouter directement l'état de terre sur la map pour tester. Mais normalement, ça doit tout marcher. Je dis normalement parce qu'en live, ça marche jamais. Il y a toujours une couille. Ouais, faut pas qu'il y ait un doublon en plus. Mais normalement, il n'y a pas de doublon. Non, il peut pas y avoir de doublon parce que j'ai mis dans un répertoire spécial à moi. Donc tu peux pas avoir de doublon. Alors, donc... là, même si tu as un doublon, ça marchera quand même parce qu'ils sont pas au même endroit. Sur la map, je vais me mettre au magasin, c'est le point de départ parce que j'ai pas envie de courir à perpète les oliviers pour vous montrer ça. Donc on va se mettre là. Là, vous cliquez sur terrain foliage paint mode. Hop. Ensuite, je vais vous remettre le truc parce que vous l'avez pas, vous. Toi, t'es très con. Attendez, je vais juste me mettre l'écran de contrôle parce que... Voilà, donc là, c'est bon, vous voyez. Une fois que vous êtes là, vous allez... Donc, on prend le petit arbre, là, qui est en haut. Vous allez dans Foliage Layer Paint. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Là vous avez Foliage Layer Weight. De toute façon, là, je pense que vous savez à peu près faire ça. Hein. Vous allez dans Terrain Détail Height. Et c'est là qui c'est comique. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut trouver le code de la Terre. Donc moi je le sais parce que je l'ai déjà fait sur cette map. C'est 0, 1, 2, 4. Ça, c'est mon code de terre. Attendez, juste regardez que je vous dise pas de conneries. Parce que je me trompe à chaque fois avec les autres maps. Je voulais marquer de partout, normalement. 0, 1, 2, 4. Moi, c'est le plus courant. Après, il y a 1, 2, 4 sur une autre map, on verra ça. Mais sur celle-là... Donc, par exemple, là, c'est 0, 1, 2 et 4. C'est toujours un code à 4 chiffres. J'ai jamais eu de code à 5 chiffres. Donc en fait le 0, 1, 2, 3, 4, ça vous sert à faire le code de la texture. Et ensuite le 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça vous sert à faire la hauteur du tas.
Donc par exemple, moi je veux un tas qui fasse 9 de haut. Un peu sur le côté, on va juste réduire le pinceau. Hop, 9 de haut, ça fait un tas comme ça. Si vous voulez un tout petit tas, c'est le 5, c'est celui-là. Pour effacer, c'est comme ça. Si vous voulez un mix entre les deux, un 9 mais un petit peu plus petit, vous faites 9 et 6 et ça vous fait un tas. On voit pas bien parce qu'il n'y a pas une grosse différence, mais ça vous fait un tas un petit peu plus petit. Pas le faire. Bon, ça fait pas plus petit flagrant. Voilà, ça le fait plus grand. Bon, de toute façon, c'est pas le primordial pour faire des tas. J'avais fait un tuto, vous regarderez. Donc, vous mettez le code de votre terre que vous avez trouvé. La hauteur du tas que vous voulez faire, vous la posez dessus. Une fois que vous avez fait ça, attendez, je me remets mon truc là-bas. Vous enregistrez votre map. Et on va aller essayer. Je suis tout seul dans le. À parler? Oui, je suis tout seul. J'ai viré d'ailleurs Discord parce que ça me fait trop de trucs. Alors, il a fini? Ouais, ready. Hop. Donc, on va zipper la map. Donc, on la recomprime et on va essayer ça. Tac, c'est parti. Ok, une petite seconde. Je t'ai laissé tout seul, ouais. Alors, mais je peux peut-être trouver. On va essayer après. Je fais juste ce tour-là et puis je te remets dedans si tu veux. Attends que ça. Merde, ça finit, j'ai pas eu le temps de boire mon café. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous prenez votre fichier la jeune souche.zip ou votre map à vous, je sais pas comment vous l'avez appelé, et vous la filez, foutez dans votre répertoire mode de votre jeu. Ce que je vais faire pour tester, virez tout ce que vous avez. Sinon, ça va vous faire zut et vous allez me dire ça marche pas. Vous faites une sauvegarde de vos modes, vous copiez tout dedans. Et ça, je vais le foutre ici, ça marche. Ouais. Voilà. Donc dans mon répertoire mode, je n'ai que la map. Et ensuite, on se lance le jeu. Pas ça a marché. Tac. Ah ouais, c'est bon, je vous ai mis. Alors. Donc, vous lancez une nouvelle partie. Lancez toujours une nouvelle partie. Si vous faites ça et que vous reprenez votre ancienne partie, ça ne marchera pas. Toutes les textures doivent être relancées sur une map pas sauvegardée en fait. Sinon, ça vous les fait pas apparaître, il les reprend pas. Donc, moi, ma map elle est là. J'ai pas de mode. Allez, c'est parti. Comment on télécharge les mods TP de ton site? Bah, tu cliques dessus. Tu cliques dessus et après il va te demander de télécharger le truc. Tu dois avoir un peu de pub si t'as pas le bloqueur de pub. Et après c'est bon. Tu cliques sur télécharger, tu télécharges. Il n'y a rien de spécial. Download, c'est marqué normalement. T'as pas suivi le début? Bah t'inquiète pas, de toute façon je vais refaire un tour. Hein. C'est quelle heure? C'est 9h30, je suis là au moins jusqu'à 22h et je fais en boucle. Donc tu vas le revoir avec une autre map. Sinon tu regarderas la vidéo depuis le début. Hop, voilà. Donc là, j'ai lancé ma partie avec ma map modifiée version TP. Vous achetez une benne pour charger, pas une benne, un chargeur. Moi je vais me prendre le petit télescopique Manitou parce que je l'aime bien. Tant qu'à faire, autant prendre celui qu'on aime. Hop là. Et là vous pouvez voir déjà que le godet, et ben ici, il y a la fonction terre qui apparaît. Il prend la terre. Et en plus vous avez vu, je vous ai marqué en français, hein, on n'est pas des anglais. Tant pis, les anglais ont qu'à faire leur texture à eux. La mienne est marquée terre. J'en ai marre qu'il est marqué sol, donc j'ai mis terre.
On aura bientôt la nouvelle map TP. Hein, Gaëtan? On aura bientôt la nouvelle map TP. Il est où mon collègue? Je l'ai mis au piqué. Non, je l'ai sorti parce qu'OBS il ramait là ce soir, donc j'ai viré comment ça s'appelle, Discord. Mais je vais le remettre après, mais j'ai l'impression que le débit il est pas terrible ce soir. Donc du coup, je l'ai acheté ou pas mon godet? Ouais, je l'ai acheté. Hop, allez, on va s'atteler ça. Ah non, je l'ai pas acheté, j'en avais déjà un. Saleté. Tant que je réponds au chat. Voilà. Vous chargez votre godet. Hop là. Et si je me suis pas planté dans le code terre, ça doit être bon. Oh, il y a de la terre. Petite feinte. Plusieurs codes peuvent avoir la même texture terre, mais pas fonctionnelle. Je m'explique. Là, j'ai mis 0, 1, 2, 4 pour la texture terre. Donc, elle, normalement, elle marche. Si vous avez mis 0, 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Ça va vous mettre la terre aussi, mais elle ne marchera pas, on passera à travers. Donc faut trouver celle où vous passez pas à travers le tas. Voilà, celle-là. Hop là. Voilà, ma map, elle est au TP. J'ai rien inventé. On l'a juste fait. Donc, petit plus par rapport à l'ancienne patch TP que j'avais mis sur mon site. Donc que je vais virer et que je mettrai celui-là à la place d'ici peu. Vous avez la fonction déchargement de la terre. Voilà. Vous voyez, ça décharge le godet. On a la texture terre qui tombe. Ça, vous ne l'aviez pas sur l'autre parce que ben, à l'époque où j'ai fait l'autre patch, je ne le savais pas. Parce que ben, je suis pas dans le métier. Hein. Moi, j'apprends comme tout le monde. Et du coup, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps à le faire. C'était un truc très con, mais comme personne ne dit jamais rien, et ben moi je vous le dis, le patch, il vous le fait. Donc, vous avez sur toutes les machines. C'est pas que celle d'origine, hein. Si vous voulez, je peux vous montrer avec une excavatrice, ça marche. Donc, vous voyez. Donc là, on l'a fait en 30 minutes en papotant et en s'amusant, on va dire. Mais sinon, ça met pas longtemps. On va se faire une autre map là. Hop, tic. Ouais, ça se charge bien. Et si mon machin à la con il se vire. Ah, attendez. Hop. En bas à droite, dans le petit écran de chargement, vous voyez, il y a marqué 4492 et c'est bien marqué de la terre que je charge. Hein. C'est pas des bananes, c'est pas du colza. Parce que la plupart sur leur map ont du colza. Là, c'est de la terre. Voilà. Pour ça. Je les veux. Tu les veux quoi? Lesquels s'appelle ton vrai. Tu sais comment faire pour les textures, le message de tout à l'heure. Comment j'ai eu ces modes? Je sais pas de quel mode tu parles, j'ai pas vu. La grue sur tour, c'est pas prévu pour l'instant qu'elle soit en DL, on verra plus tard. Parce que c'est pas la mienne déjà. Et puis je. Il faut qu'on regarde pour la mettre, mais je crois qu'il voulait pas qu'on la mette le mot. Notre modeur. Hop, ça, pourquoi tu demandes ça? J'ai pas vu. Dis-moi juste pour info ce que tu vas mettre en DL. Non, ça j'en fous. Tous ceux qui sont sur le site sont en DL, bah oui. Ah, les modes pompiers, oui, les modes pompiers seront en DL après. Hop, alors voilà pour là. Donc la jeune souche c'est fait. Allez, on va stopper une autre map pour vous montrer que c'est pas celle-là, hein, que celle-là. On la supprime. Oh, pardon. Attendez, je vous remets. Yo, mon truc. Clac. Excusez-moi. On va se faire la map que mon cher ami de Facebook m'a demandé tout à l'heure. S'il regarde, il va se reconnaître. Stock de map. Merde, c'est pas là. FMFS. On me l'a demandé tout à l'heure comment on faisait pour la mettre la fonction TP dessus. Mais bon, on va se le faire. Hein.
Je vire la jeune souche. Pourquoi tu veux pas? Parce que j'ai là. C'est bon. Ah, oh, c'est tout ouvert. Ferme-moi tout ça. Putain, mais il va me faire chier longtemps. Là. Pourquoi tu veux pas le supprimer? J'ai plus rien d'ouvert. T'es con, t'es con. Il est utilisé par quoi? Ouais, tu vas pas me casser les pieds, toi. Ah bah il a effacé ce crétin. Bon, pas se faire chier. Allez, coller. On va se faire FMFS. Hello, Janik. I don't speak Dutch. Sorry. FTP, tu l'as, toi, la grue. Bah oui, nous on a tout, forcément. On a tous les modes, nous. C'est pas parce qu'on les a tous qu'on les donne tous ou qu'on les montre tous. Hein. Mais juste un truc, c'est pas en demandant les modes qu'on les a la plupart du temps. Les mods ils arrivent tout seuls. Ceux qui demandent plein de mods tout le temps, c'est ceux qu'on n'a jamais. Mais ça, il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Moi, je demande jamais de mods, on me les donne tous. Voilà, donc la map FMFS. Ça s'appelle Simple Mod Map. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il avait dû partir par une Simple Mod Map. Alors, on va lui foutre. Comme j'ai fait tout à l'heure, vous allez vous dézipper. Mon fichier zip que je vous ai mis dans le lien de la vidéo, j'espère qu'il apparaît bien. Ou sinon, je peux vous le redonner un coup là. Copier, tac. Merde, j'ai perdu le chat. Je vous le rebalance sur le chat, tac. Ça c'est le patch en point zip. Qu'il faut dézipper pour travailler votre map. Dedans, il n'y a que la terre. Je n'ai pas encore fait le sable, le gravier, tout le bordel que vous voulez dans le TP. Parce que pour l'instant, moi, sur ma map, je n'avais besoin que de la terre. Donc, j'ai fait que la terre. Les autres, je vous les ferai un peu plus tard. Et puis, au pire, on se refera un petit live comme ça, sympa. Et je vous le redonnerai à mesure. Si ça vous plaît, moi, je fais ça, ça me va très bien. Salut, Titi Farmer. Tu sais faire pour les choix de texture? Bah faut que je regarde. C'est toi qui m'a demandé, qui m'a dit sur YouTube. J'ai encore pas regardé si j'y arrivais ou pas. Je te le ferai, je te ferai un tuto, mais je te ferai peut-être un truc privé. Sauf si ça intéresse d'autres personnes, je le ferai, sinon je le ferai comme ça. Donc, je vous ai mis le truc, c'est bon. Une fois que vous l'avez, vous le dézippez, vous arrivez sur ça. Comme j'ai dit au début de la vidéo du live pour ceux qui étaient là, et je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez les deux répertoires à copier dans votre map, un fichier d'aide qui vous explique, pour ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait copier les répertoires, un fichier map01, vous ne remplacez pas celui de la map, vous copiez ce qu'il y a dedans dans celui de votre map. Et le mode death, c'est pareil, vous ne remplacez pas celui de votre map, ce n'est pas un mode death complet, c'est juste ce qu'il faut rajouter. Vous l'ouvrez et vous le copiez dedans, exactement comme on va faire. On copie les deux répertoires, script et map. Vous allez dans votre map. Bon, moi c'est dans l'atelier FMFS, Simple Mode Map, voilà. Vous allez dans la racine de votre map, c'est-à-dire où vous avez le fichier moddesk.xml, ça c'est la racine. Vous rentrez pas dans un des répertoires, vous restez à la racine de votre map. Vous cliquez, vous faites coller. Voilà. Il m'a rajouté mon répertoire script avec mon script additionnel map type, il n'y a que ça dedans. Et il m'a rajouté. Je n'irai pas vous montrer si dans map, ma fonction TP, avec tout ce qu'il me faut pour la faire marcher. En plus, je voulais tout trier, c'est tout beau. Une fois qu'on a fait ça, on va s'ouvrir notre mode desk de notre map pour le modifier. Avec notepad++. Voilà. Et on va se chercher dans notre patch, notre mode desk où il y a les trucs qu'il faut prendre. Voilà.
Donc c'est tout à fait simple. Oui, tu mets free download pour télécharger. C'est quoi le site? C'est quoi le site de quoi? Bah oui, tu tapes sur Google, tu tapes FS17 mode TP n'importe où dans Google et ça te sort mon site. Je suis le premier. Tu peux pas te tromper, il n'y en a pas d'autres. Alors, donc, une fois qu'on a copié nos répertoires, on s'attaque au mode desk. Il y a plusieurs trucs. Si vous faites à partir d'une simple map que vous voulez mettre au TP, si vous en avez trouvé une sympa, vous prenez ce qui est en bas parce que je pense pas que les trucs extra source file, ils y soient. Donc il n'y a pas, jamais eu de script dedans, donc il vous faudra avec les extra sources, la ligne du script. Voilà. Si vous faites sur une map déjà existante, vous avez déjà ces trucs, donc vous prenez que la ligne source. La première, vous copiez. Ah ouais, je crois savoir pourquoi tu t'es trompé. Vous allez dans votre map, dans votre mode desk de votre map, vous trouvez où il y a. Je suis con, il n'y en a pas. Ah si, là, j'avais pas vu. Où il y a extra source file, voilà, source file, et vous le mettez à la suite. On le colle. Donc là, en fait, l'extra source file, on lui dit d'aller chercher le script et de nous lancer notre script pour qu'il nous mette notre texture. Donc ça, c'est la texture sur la map, si je me trompe pas. Ensuite, vous prenez les dernières lignes. Bon, on va prendre là, c'est les mêmes. Additional map type, vous copiez. Donc là, vous avez la texture soil. Ouais, elle s'appelle soil, je n'ai pas mis terre, hein, c'est soil. Et vous la mettez dans votre map. Donc moi, ce que je fais, j'y mets toujours tout à la fin, avant le dernier mode desk. Et vous collez. Vous le mettez pas en dessous, sinon votre map ne marchera plus. C'est comme une porte, quand on ouvre la porte en haut, vous y mettez dedans, et ça c'est la ferme, la fin de la porte, quoi. C'est une boîte, ça c'est le dessous de la boîte, et en haut c'est le couvercle. Donc si vous y mettez pas au milieu, ça marchera pas. Voilà, donc le mode desk, il est fait. Vous fermez tout, on s'en fout. Ensuite, on va se faire le map 01.xml. Vous prenez celui du patch, vous l'ouvrez. Et on va chercher celui de la map. FMFS, machin. Normalement, ça me fait chier. Comme je dis au premier coup, vous devez toujours avoir un répertoire map où vous rentrez dedans et vous avez le petit truc Giant que vous ouvrez pour modifier la map. Donc map 01.i3D. Ou des fois, certains mettent le nom de la map. J'ai vu, il y a losberg.i3D, il y a tous les noms que vous voulez, .i3D. Donc, vous repérez celui-là et vous prenez son XML. Il est là. C'est lui qu'il faut modifier. C'est celui de l'i3D. Donc, moi, ça s'appelle map 01.xml parce que personne n'a jamais changé. C'est très bien comme ça. Vous l'ouvrez. Voilà. Et on a deux lignes à copier. Additional fill. Donc ça, c'est les textures de la Terre et les particules de la Terre. Vous copiez les deux lignes d'en haut, les deux lignes d'en bas, c'est si vous faites sur une simple map qu'il faut que vous rajoutiez additional file entrée, additional file sortie. Nous, ça y est déjà, ils sont déjà là, donc vous ne les remettez pas. Donc vous allez à la dernière ligne au milieu de ces portes et vous les copiez ici. Voilà. Un espace pour qu'on les voie bien, elles sont là. Mais quand je clique sur le premier additional field, ça me les met en violet, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Le deuxième, pareil. Merci Nathan pour ton abonnement. Si vous avez fait une erreur de copier-coller, par exemple, quand j'ai copié au début, j'ai pas sélectionné le premier. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une parenthèse. Le premier truc, du coup, vous voyez ma ligne elle est fausse, elle est devenue noire, donc il faut bien remettre le. Ouvrez le. Je sais plus comment ça s'appelle ce machin. Truc d'école. Et pareil à la fin, si vous avez viré le slash, ça va vous mettre une erreur, vous l'avez plus en violet, donc vous remettez le slash. Attention aux ponctuations de ne pas les changer, souvent vous me dites les trucs ils marchent plus, mon mode il marche plus, c'est juste parce que vous avez viré un point, viré un slash, viré ça, viré une connerie quoi. Voilà. On enregistre tout bêtement
On ferme tout là, ça c'est fini. On récapitule juste un coup. J'ai corrigé mon map01.xml, j'ai corrigé mon modedesk.xml, j'ai rajouté mon script, il est bien, et j'ai rajouté ma fonction tp là, c'est parfait. Ce que vous faites, vous lancez votre map et on va se rajouter un tas de terre. Alors, tant que ça se lance, je lis un peu le chat parce que j'ai pas lu. Blablabla. Nathan, t'as fait free download, ça te met un rectangle à gauche, ça fait quoi? Ben franchement je sais pas parce que moi je télécharge pas mes trucs donc je peux comme ça, moi ça me met d'office. Ça te met quoi? J'en sais rien. Je vais voir. Hein. Si je clique. Bah t'as free download en vert au milieu, tu cliques dessus. Et puis voilà, t'as rien d'autre à faire. Tu cliques sur Download File qui est en vert au milieu. Après, ça te le télécharge en bas à gauche. Et après, tu fais clic droit dessus, afficher dans le dossier et t'as ton fichier zip. Tout simplement. Peux pas te faire mieux, plus simple. Hein. Je suis désolé si ça répond pas spécialement à tes questions, mais il n'y a pas plus simple. Attends, je repasse sur le chat. Bah, dedans, c'est écrit le pack objet. C'est pas un pack objet. Oh, ça y est, il y a Black Bull. Salut Black. Bah, Raphaël. C'est bon, t'y es arrivé, Nathan? Je te montrerai après. Attends, je corrige ça et au pire, je te mets la fenêtre si t'y es pas arrivé. Alors, donc, voici notre map. Hop là. T'as vu Gaëtan, ils ont une caserne de pompiers. Non. Pas faire la mieux, c'est que je suis en train de faire. Par contre, son map elle est bien, mais il me faut le point de départ de la map, parce que je vais pas courir 30 000 km. Voilà, donc on commence le magasin. Je sais pas s'il est là le magasin. Bon, on s'en fout, allez. On va se mettre notre tas de terre ici. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ajouter de la terre sur la map, vous cliquez sur le petit arbre. Hop là. Ça va vous ouvrir la fenêtre qui arrive comme ça. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. La partie du haut, bruche, vous avez pour régler votre pinceau. Le pinceau, pour moi, c'est le truc rouge qui est derrière là. Le cercle rouge qui vous sert à faire du mapping. Je peux pas vous expliquer les bases, parce que si vous savez pas faire les bases, c'est pas la peine de mettre une fonction TP sur une map. Hein. Il faut d'abord apprendre à se servir de Giant. Donc ça, il y a plein de tutos, j'en ai fait quelques-uns aussi. Sinon, regardez les tutos. Donc, vous allez choisir votre texture terre. Pour la texture terre, c'est terrain détail height. Ça, c'est les textures extra en plus. Sur cette map, on a dit que c'était quoi le code de la Terre? C'est l'autre, c'est 1, 2, 3, je crois. C'est pas le même, justement. 1, 2, 4. Autant pour moi. Donc, on choisit 1, 2 et 4. Donc, ça, c'est ma Terre. On fait un tas de hauteur 8, par exemple. Et vous le posez. Voilà. Tac. Donc, ça, on peut le virer. On a notre tas de terre. Vous allez me dire, ta terre, elle a pas une gueule de terre, elle est verte. C'est normal. Giant Editor ne gère pas les nouvelles textures, il vous affichera des tas verts pour tout ce qu'il connaît pas, quoi. Après, c'est en jeu que ça change. Ça, c'est la texture de base dans Giant Editor. Donc, c'est la grosse merde quand vous faites un truc parce que vous savez plus ce que vous avez mis, c'est de la terre ou du sable ou tout, quoi. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre, on va se tester ça en jeu. T'es cher ma manette toi. Je sais qu'elle est saignante. Donc là on enregistre. Tant que ça enregistre, un petit coup de chat.
Alors, c'est quoi la map? Et je me rappelle de cette map, je l'ai, mais j'y joue plus. C'est FMFS. Parce que quelqu'un sur Facebook m'a demandé de le. Comment on faisait pour le mettre dessus, donc ben, il est pas arrivé, je lui fais là. Hop, voilà, donc ça c'est fait. On va se récupérer notre FMFS en la zip, tout simplement. On ajoute à l'archive. Je vais la renommer FMFS. Allez, on se zip ça. Attends, on n'a pas fini, mais t'es toujours à la traîne, toi. Oh. Déjà modifié deux maps en 50 minutes. Sais pas si on en fait une autre, si vous avez des idées de map que je. Une map que vous voulez qu'on mette au TP. Bon, là, je vous le fais en expliquant, hein. Sinon ça prend 30 secondes. Hein. On n'a pas trop longtemps pour le faire. Salut Game Geek YouTube. Tu peux donner des liens de pelle STP. Ben, tu vas sur FS17 mode TP, mon site, et t'as plein de pelles. Hein. Tout ce qui est dispo, c'est là-bas. Après, si ça y est pas, c'est que c'est en cours de modification, en cours de correction de bug, en cours de remise à niveau pour FS17, en cours d'amélioration, en cours de ce que vous voulez, quoi. Mais si on les donne pas, c'est pas qu'on veut pas les donner, c'est qu'il y a un bug dessus. Mais. Truc comme ça. La dernière pelle que j'ai eue, le godet, il faisait trois fois le tour du bras. Alors je veux bien vous la donner, mais bon, ça sert à rien, quoi. Donc on a notre map FMFS, on le met dans le répertoire mode. Voilà. Et là, par contre, je vais juste me mettre le mode téléportation parce que j'ai pas envie de me taper 400 km à pied. Tardi. Hop là, tardi. Allez, on se lance la map. Tu peux donner un. Oui, qui te fasse revenir dans le jeu. Ouais, on fait un live sprinter après. Si vous êtes chaud patate, les amis, vous pouvez rester. Je couperai le live là. Je lance le jeu sprinter et on se retrouve à 3 sur sprinter. À 3, 1, 2, 3, à 3 personnes. Voilà, donc la map, elle se lance. Donc il y a un mode d'origine dans la map, mon téléportation, rien de spécial, on lance la map. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Dites-moi si vous avez rien compris à ce que je fais, hein. Que je sache si j'explique correctement ou pas, parce que pour moi c'est super simple, mais. Je l'ai fait 30 milliards de fois, donc forcément, mais après pour les autres, je sais que c'est compliqué. Alors j'essaye de faire au plus simple, mais c'est pas évident d'expliquer simplement un truc qui est techniquement très compliqué, mais en fait très simple. Alors, Perco, je sais plus où on est. Ah oui, on démarre là. Et le truc, il est derrière. Oh putain, j'ai pas mis le truc pour aller courir, super vite. Donc on fait le tour, logiquement mon tas de terre il est là, voilà. Ah j'aurais dû vous mettre un faux aussi, tiens, je vais pas penser. Hop là. Donc là ouais, il y a bien ma texture terre qui est là. Oh ouais. Donc maintenant je vais vous montrer qu'on peut la prendre. On se rachète. Qu'est-ce qu'on va se racheter? Un Manitou télescope. En plus, je vous prends le truc de base du jeu pour que vous voyez que c'est pas le mode qui le fait. Hein. C'est vraiment intégré à la map. Et vous avez noté que je mets pas le mode Universal Process Kit non plus. Hein. Dans mon répertoire mode. Il est où? Vous voyez, mon répertoire mode, j'ai la map et j'ai le mode téléportation parce que je veux pas me taper toute la map en voiture. J'ai rien mis d'autre, j'ai pas de mode additionnel pour faire marcher le TP. Hein. Comme il y avait avant sur la vieille mine, par exemple, il fallait mettre Universal Process Kit. Là, il n'y a pas. On n'a pas besoin de ça. C'est intégré dans la map. Donc là, vous voyez, il y a la terre qui apparaît, hein, qu'on peut charger. Je le loue parce que j'ai pas assez d'argent.
Voilà, donc on va se prendre notre magnifique Manitou de base du jeu. Hop là, voilà. Et on va se téléporter là, parce que je sais que c'est ici qu'on commence, voilà. Et voilà notre tas de terre, les amis. Est-ce que ça va marcher? Vous le savez tout de suite. Vous le savez tout de suite. C'est quoi ce rétro à deux balles qu'il y a là, le machin? Putain, j'avais jamais fait gaffe. Il n'y a même pas les rétros sur le mode d'origine. Oh là là. Même les modes d'origine, il n'y a pas les rétros, sérieux. Bon, c'est pas grave, t'en fous. Hop, et voilà. Donc vous voyez qu'en bas, j'ai chargé 4492 de terre. Elle est bien dans mon godet. Donc j'ai chargé ça sans aucun autre mode. C'est la map qui a été modifiée à la fonction TP. Petit plus de cette fonction TP par rapport à celle que j'avais fait avant. Vous avez le déchargement des textures. Vous voyez, ça coule. Beaucoup m'avaient demandé ce qu'il fallait faire sur le mode pour que ça marche. Parce qu'en fait, bah moi c'était pareil. Je croyais que c'était le mode qui le faisait, mais en fait non, c'est la. C'est la map. On peut faire que le mode le fasse parce que sur les remorques cargo bulle, c'est la remorque qui le fait et pas la map. Donc j'ai rajouté les textures déchargement. Mais là, il n'y a plus besoin, c'est la map qui le fait avec le mode d'origine du jeu. Vous voyez, j'ai l'animation déchargement de la terre. J'ai rien inventé. Ça se fait tout seul. Voilà. Voilà, ben, je crois que je vous ai tout montré. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Posez-les hein, avant que je me barre. J'ai dit que c'était une aire de mapping ouverte à la discussion. Donc je vous montre comment faire. Vous faites. Après ceux qui ont des soucis, hein, vous pouvez venir sur mon Facebook me dire votre souci, je vous expliquerai. Hein. Si je réponds pas tout de suite, c'est pas la peine de m'envoyer 600 messages pour m'harceler, c'est que j'ai une bonne raison de pas répondre tout de suite. Je réponds plus tard, dès que je peux, mais je vous réponds pratiquement à chaque fois, quoi. C'est rare que je réponde pas. Je réponds pas qu'à ceux qui m'envoient 65 messages pour me demander la même chose, quoi. Hop! Oh, il y a une ornière sur la map. Oh là là, il y a un sacré trou. Hop. On va boucher le trou. Voilà, ça va mieux. Hein. On va boucher les bosses. Walou. Bon, je crois que je peux pas vous montrer plus que ça non plus. Hein. C'est pas plus compliqué. On ferme le jeu. Je vais garder la map. Comme ça, si mon ami n'est pas arrivé à le faire, je lui donnerai. Fonction TP. Donc, eh ben, je vous redis, vous téléchargez le petit lien que je vous ai mis dans les commentaires de la vidéo, sinon le lien que j'ai mis dans le chat. Vous le dézippez pour pouvoir récupérer ce qu'il y a dedans, vous arrivez là. Les deux fichiers, vous les copiez dans votre fichier racine de votre map où il y a le fichier mode desk. Tout simplement, vous n'avez rien à faire d'autre, vous y copiez juste dedans. Après, je vous ai mis un fichier aide pour expliquer ce que je viens de le dire et ce que je viens de faire deux fois en live. Vous ouvrez votre fichier map qui est dans le patch, vous prenez la ligne qu'il vous faut dedans, vous la mettez dans votre map 01XML de votre map à vous. Et pareil pour le mode desk. Vous faites votre tas de terre. Après, il faut que vous trouviez votre code. Hein. Je vous ai mis deux idées de code. 1, 2, 4 et 0, 1, 2, 4. Il y avait 1, 2, 3, 4 aussi. Mais ça, c'était sur l'ancienne version de. Avant le patch qu'ils ont fait. Donc si ça marche pas, ben faut essayer tous les codes. Hein. De toute façon, vous aurez plein à essayer. C'est con, mais c'est comme ça. Faut passer une demi-heure à chercher tous les codes. Faites plein de tas de terres sur votre map jusqu'à trouver lequel c'est le bon. Et après, je vous dis, si vous avez un tas qui ressemble à de la terre, mais que vous passez à travers le tas, c'est que c'est pas le bon code. C'est pas que ça a pas marché. Ou tant de panique. Ne vous énervez pas et commencez pas à me dire que le truc marche pas. C'est pas ça. C'est juste que vous n'avez pas pris le bon code. Parce qu'il y a des codes, il y a trois codes. Moi sur ma map, il y a trois codes qui font de la terre, mais il n'y en a qu'un qui marche. Les deux autres, on passe à travers le tas et on charge rien du tout.
C'est juste une photo de terre. Donc choisissez bien votre code. La plupart du temps, c'est 0, 1, 2, 4. Mais bon, vous voyez, FMFS, c'était 1, 2, 4. Ça dépend des textures qu'il y a déjà dessus. Si vous avez des carottes, des choux, plein de trucs dessus, bah forcément, le code, il va changer parce qu'il n'est pas dans le même ordre. Voilà, voilà. Et là, vous me copiez pas tout ça. Hein. Vous faites pas, ben, je copie tout ça, je copie et je colle dans mon machin. Hein. Vous prenez que ce qu'il vous faut. Donc, si c'est une map, vous prenez les lignes d'en haut. Si c'est une simple map, vous prenez ça en dessous. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura servi. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Hein, parce que je vais pas en faire 36 des maps. Je pense qu'avec deux, vous avez des bons exemples. Là, une heure, vous regardez le live en rediff et vous comprendrez tout. Et je vous dis, s'il y a un souci, ou vous allez sur le Discord d'AFTP, ou vous allez sur mon Facebook, SurfDuckModding, et vous me demandez, je vous répondrai pour les mappeurs qui ont besoin. Allez les amis, merci d'être passés à tous, c'est sympa, parce qu'on a tenu à peu près à une trentaine de personnes en permanence, donc c'est cool, c'est que ça intéresse quand même pas mal de monde. Pour ceux qui veulent nous voir faire du sprint hier, partez pas très loin, revenez dans quelques minutes, on va bien rigoler je pense. Et puis les autres, et ben à très bientôt. Allez, bye bye à tous les amis, merci, merci, merci.